واصحابه اجمعين. Nous fîmes trop hier un fléau qui s'appelle le jeudi hasard et avant-hier, je trouve l'alcool et les autres petites choses qui donnent la solution. Définitivement, ça dit que l'expliquer hier et avant-hier, il y a déjà pour un leçon qui peut expliquer le vendredi après Tarawi, là, une profession. Quand c'est appelé Tabari, et aussi dans Fajr, dans Mardi, nous les expliquer avant l'Amzan, pour sinon, un grand péché. Donc, moi, je vous dis, le bouquet, c'est un appel Zina. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous dire que l'islam, tout seulement la loi, n'est vie pour plaisir. Quand le bouquet, la loi qui est dans l'islam, n'est vie pour plaisir. Il n'y a pas quelque chose qui fait une bouquet, puis tu se dis, il y a la loi qui protège. Protège du sang, ça veut dire la vie indivine. Mais pour qui qu'il se dit, pour moi, la vie individuelle, il y a la loi pour ça, qui peut empêcher ça. Numéro 3, prothèse, continuation de génération. Donc, pourquoi est-ce qu'on va faire de sa progénération? Alors, ça continue, alors l'islam, il vit pour prothèse. Il vit aussi pour prothèse, le lien individuel. Donc, vous trouvez, dans l'islam, le lien individuel est quelque chose très, très, très honoré dans l'islam. C'est ça même que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait beaucoup d'enseignements concernant le lien avec les musulmans, pour les mal de avec le lien musulman. Et pour ça même, il y a aussi du sang, digne, le lien et l'intelligence. C'est-à-dire des mots, quelque chose qui fait l'impact de l'intelligence et pour faire ça, du monde là. Et elle dit sur l'intelligence, alors ça fait que ce soit l'islam, il y a la loi qui protège ça, l'islam. Zina, c'est un parmi ben, la loi qui vient pour protéger la continuation de génération. Parce que qui peut arriver jusqu'à ce que si Zina c'est halal, qui peut arriver? Quand c'est dégâts, tu peux avoir droit à les enfants, tu peux bien dire. Pas tu peux avoir propriété dans génération, ça veut dire génération individuelle mélange avec un deux. Quand ça dit que l'amour, ces enfants perdent ce droit. C'est que tu vois, oui, tu crois répandre les autres, et non, et comme les enfants, pas besoin d'excellence sur les enfants. D'ailleurs, dans l'époque jahiliya, avant l'islam, dans Makka, ben, tu vois, tu as un mariage qui tu peux mettre un pavillon dans la porte, tu vois, d'ailleurs, je te connais qui ici, là, il y a une madame qui, pour voir, elle a 15, 16, 18, 18, que tu peux voir. Et quand tu fais 15 enfants, tu n'as pas besoin de faire. Alors, l'islam, quand il vient, les faire zina avec haram pour protéger la continuation de la génération de ce QFB. Ça, pour vous avez déjà fait Allah subhanahu wa ta'ala concernant zina, il y a une punition sévère pour les gens qui font le façade parmi les gens qui ont l'iman pour que zina propage. Et le mot zina est aussi servi le mot fahisha. Le mot fahisha dans le Coran et dans le Sunnah, l'idée de l'épaule dit quelque chose qui est extra mal propre, dans parole ou bien dans action. Et bien souvent, le Coran est servi le mot fahisha pour zina. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surah Al-Nur, « Inna alladhina yuhibbun an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amnu » Ben qui content fan fahisha en parole ou bien en action, sa parole qui est extra mauvais mal propre, ou bien sa action qui est extra mauvais mal propre. Et bien souvent, on dit zina, majorité fois on dit zina, c'est lui qui content fan ça pour un jour, لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني في شو سبيه في دار الدنيا إذا آخر دار سورة الفرقان من سانك الله سبحانه وتعالى لذكرية من عباد الرحمن دار القرآن بالفعل bien souvent pas bien souvent à chaque fois qu'il y a là il mentionne un nom par exemple Muttaqi c'est un nom par exemple Muhsin c'est un nom par exemple Mu'min c'est un nom dans le Coran. En anglais, on appelle ça noun, il y a un noun, en arabe c'est un noun. Dans le Coran, Zami Allah mentionne un nom, un noun, sans lui décrire ce nom-là. Qui m'a dit avant ça? Dhalika al-kitab ou la raïba fi, huda lil. Muttaqi. Allah parle de ça, Muttaqi, il y a un noun là, il y a un pluriel. Il ne parle pas l'esprit pour ça, il décrit ça, Muttaqi. Il vous dit, Allahina, yukmiyuna bil ghaib, wa yukimuna salam. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة والذين مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخر يقولون لذكرية سمو التقية كيف؟
degree yang sangat mutakhidah. Ibadur Rahman, manusia ini dia di Allah Ar-Rahman, dan surah Al-Furqan, alain degree yang ina les autres ça l'indique que muhsinin qad aflaha al mu'minun dit surah 23 qui nous dit aujourd'hui inchallah la tarawih alladhi qad aflaha al mu'minun ban mu'minin pour victoire ça n'a sama mu'min là c'est qui dit faire il pas les noms là pour samim comme samim pareil il a un coup antique dans le Coran et dans sunna que nous man musulmans de nos jours nous peut larguer pour vivre propriété à sa antique là dans place qui nous adopter caractère de sa antique. And look at the example, for example, the Quran in فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Ki ban pochi Allah, se ban ki victorio. Be pochi Allah lak sana. Ou bien, and look at the Quran, كُلْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Zuzut meyye community ki allen te apparaît pa ou jimun. Sana sa meyye community la. Mais la description, ou sa une description? Et là, bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. L'islam tu commençais comme une petite chose étrange et du coup terminé comme une petite chose étrange. Bonne nouvelle pour un étranger. Un petit ça, étranger. Qu'est-ce que c'est un étranger là? Il décrit ou bien pas décrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il décrit alladhina yuslihuna ila fasad al-nas. Comme un djoul bien dans le édition, ça m'a dit là pour un petit travail pour purifier ceci. Il décrit. Mais nous sommes en qui nous faisons faire? Nous faisons à la guerre pour mon ville propriétaire sans nom là? Ou ça, on faisait la guerre pour adopter les caractéristiques de ce mal nom-là. Qui vous a fait? Ça veut dire, quelque chose qui nous faisait faire du tout. Nous dire le Coran, nous était qui peut dire un muttaqi, comment il était, on a adopté ce mal caractère-là. Un muhsin, comment il était, on a adopté ce mal caractère-là. Un mu'min, comment il était, on a adopté ce mal caractère-là. Tout ça, on a dit. Un ghuraba, comment il était, on a adopté ce mal caractère-là. Ta'ifatu mansoura, Rasoul Sassan dit. Dans l'époque où on peut vivre aujourd'hui, tout le temps pour le groupe du monde de la vérité. Tout le temps pour y aller. On est plus jusqu'à qu'il y a un moment pour y aller. Mais là, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, venez, moi, je vais mettre un t-shirt. Nous, on a la vérité. Ou ça, moi, je vais dire qui caractère ça, moi, je vais dire la vérité là. Et moi, je vais dire ça, moi, le caractère là. Et vous venez. Hein? Arrête là. Alors, dans Ibadou, si vous pensez sa conception là, il nous est clair qu'il nous disait adopter caractère. Dieu, ça m'a un nom qui Allah pour autant dans le Coran et dans le Sunna. Il y a beaucoup de noms. Mu'min, Mu'sik, Muttaqi, Hizbullah, Taifatul Mansoura de Hadith, Ghuraba de Hadith, Firqa Najiya de Hadith. Un Firqa Najiya, 73 fois dans l'enfer, il y a 73 fois aussi, 72 fois dans l'enfer, et 0 fois dans la Jannah. C'est là qu'il nous fait. Vous voyez ce qu'il nous veut faire? Nous tous veut dire que nous sommes là. Mais pas ça qui nous a fait, nous a dit sa haine qui ressource à la religion là, qui n'est pas pour dans le Jahannam là, qui sont caractéristiques, elle est nous qui nous fait. Dans ces photos là, mais de nos jours là, ici, elle nous en mal dans le monde en entier, les cas venus dire, tout caractéristique, tout sifat qui est dans sa haine là, vous allez, ou ça, il vous dit qu'on peut travailler là. Voilà, tout ça différence là, parce que ça n'a pas capable d'annoncer à l'autre que moi-même, ça a un groupe là. Ça veut dire que je vais faire expliquer, mais dans la pratique, tout ce qui peut dire concernant sa groupe qui ressort sur la médecine, les N dans 73, mais que ça n'a pas. Mais pas tout de l'île, tu n'as pas le de la France, je vais gagner, tu n'as pas le signe, tous les jours, tu as des catastrophes, personne n'a pas fait un an, personne n'a pas fait un an, tout pas le pays arabe, tout pas le pays. Et là, il organise, c'est une fille organise. 6 mois de divertissement est organisé à Saint-Organisé, à Saint-Marie Coran. Pour mettre une série de gars de la route. 6 mois de divertissement dans le pays, que le Coran et le Sunna apparaissent. 6 mois de divertissement. Vous voyez, 6 mois de divertissement. Ah, là, pour moi, Ramadan, c'est. Vous voyez que. Je me disais, des choses de Saad et Mourad, de 2015, si vous ne pouvez pas faire l'eau, 100 000 barres là, ici. On s'en a un divertissement qui corrige Makka, tu peux faire pour dévier un corrige Makka avec Dawa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le Namazi. Allô? Allah subhanahu wa ta'ala, pareil pour Samet, dans le Coran, il peut décrire Ibadur Rahman. Alladina yamshuna ala al-ardi hawna wa ida khatabahu al-jahiluna, qalu salama, la surah Furqan, ça aussi, vous pouvez lire, si vous ne pouvez pas tromper demain, quand Allah peut décrire Ibadur Rahman, il dit « Voilà, yeznoun, je ne vais pas faire ça. » Ça, c'est qualité et mouvement.
Alors, nous faisons avec Allah SWT. Inch'Allah, demain, vous pouvez aussi expliquer comment Rasoul SAW décrit le zina, comment un tibun ou un jeune qui commande le zina. Il dit, Rasoul SAW, il explique qui façon qu'un tibun commande le zina, Inch'Allah. Demain, nous pouvons savoir, sallallahu alayhi wa sallam.